Danemark, et donc j'avais chanté déjà ce cycle de mélodies en danois de Peter Heise. Programme très très particulier parce que ce cycle, c'est l'histoire d'une jeune fille hollandaise qui a subi des choses très compliquées. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Et elle est repérée par le chancelier du roi, qui veut la présenter au roi, et elle devient l'amante officielle du roi pendant des années. Et donc dans les mélodies, on retrace ce qu'elle ressent depuis le début quand elle est jeune fille et qu'elle rêve d'amour au moment où elle est avec le roi, et c'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens qui complotent derrière elle. Donc on parle sur son dos et sur le fait que voilà, ben c'est l'amant, tout le monde sait bien qu'elle est l'amante du roi, et on critique cela très fort, et donc elle se sent quand même mal par rapport à ça. Et à la fin de l'histoire, apparemment, elle aurait été empoisonnée. Et c'est donc une histoire réelle. Hein. C'est l'histoire réelle de cette jeune fille, retracée dans le cycle de Lieder. Donc faire passer ça au public, compliqué. Mettre toutes les traductions pendant qu'on chante, très compliqué aussi. Mais donc, comment rendre ce type de musique-là accessible à un plus grand nombre ? Et l'idée, ça a été de confronter ces chansons danoises avec des chansons tout à fait contemporaines. En fait, quand on regarde un peu les textes danois, on voit que c'est une jeune fille qui a un rêve très romantique d'amour, qui se projette, qui rêve du prince charmant, et ce roi ne va pas forcément l'être vraiment. Et moi, qui suis enseignant, ça m'a vraiment fait penser directement à des élèves qui parfois confient des choses qu'elles peuvent vivre, plutôt côté jeune fille, je dirais, et qui ont des gros échecs sentimentaux liés à cette vision romantique de l'amour. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de chansons qui ont beaucoup de succès. Souvent, les élèves eux-mêmes chantent des chansons en anglais régulièrement, mais ils ne comprennent pas nécessairement le texte. Et ici, par la mise en scène et justement les commentaires que Alain apporte par le texte qu'il a choisi, ça permet à la fois d'éclairer les chansons danoises et à la fois les chansons anglaises, et de raconter quelque chose sur la jeunesse d'aujourd'hui. En tout cas, c'est le pari que nous avons. Donc, c'était une manière d'intégrer la musique classique dans quelque chose de beaucoup plus moderne et de rendre ça finalement accessible aussi aux jeunes. C'est beaucoup basé sur un peu le côté très rythmique, très répété, voir des petits sons par-ci par-là, des petits bruits très, très gadget en fait, ce qui correspond en fait beaucoup au profil des percussionnistes. Et voilà, comme je suis percussionniste, j'ai pu me retrouver là-dedans assez facilement. La beauté me ravit partout où je la trouve. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se retrouve dans une boîte de musique, un peu sordide, une boîte de jazz, où se retrouve un musicien, un pianiste classique un peu paumé, et puis un percussionniste qui est là. Est-ce un percussionniste de variété, de musique classique, de jazz, on ne sait pas très bien. Et puis moi j'arrive, je suis client et je tombe sur cette petite colombe, cette duveke en danois qui est une serveuse, c'est un bar où je descends régulièrement.
et mon propos sera d'étayer un petit peu le dialogue entre le chant et le théâtre grâce à des paroles de Jacques Brel, de Léo Ferré, et puis de Molière, et puis de Baudelaire, des chansons parlées de Serge Reggiani, voire même de Claude François. Donc c'est très éclectique et c'est ce qui permet entre nous d'avoir un dialogue musical entre les percussions et la musique classique, si on veut, au piano, et entre le chant, la chanson anglaise, anglophone ou française, et je dirais le théâtre ou la parole poétique. Et c'est ce mélange qui crée un quatuor insolite.